Coucou tout le monde, nouvelle journée, on est mercredi. Du coup hier on a fait notre soirée pyjama avec Mel. On a dormi, on s'est endormi vers minuit et demi, une heure quand même. Bon, on s'est levé tôt, 7h30, 7h30, 8h on était réveillés. Mais elle avait hyper mal au ventre, donc... je sais pas si on va pouvoir aller au cirque cet après-midi. Là, elle regarde la télé, mais elle est installée dans le canapé. On prend un café. Il est 10h50. Du coup, j'ai donné à manger à toutes les filles. Je leur ai donné à manger, je les ai sortis, j'ai déjeuné, je me suis habillée et j'ai mis une machine en route. Voilà. Un petit café et après on va faire du ménage. Je vais faire un petit peu de ménage mais je vais faire aussi du montage parce que pour ce soir déjà, la vidéo de ce soir. Et si je pouvais m'avancer pour demain et tout, ça serait cool. Ça serait cool, cool, cool. Un petit café. Du coup, je vous avais dit que j'avais beaucoup de saignements depuis ma fausse couche. Donc ça fait déjà 3 mois que ça dure. Et j'avais été voir ma gynéco, tout ça, je vous avais expliqué hein, pour la pilule, tout ça, mais que moi je voulais pas la prendre. Et là hier j'en ai parlé à mon médecin du coup, parce que comme j'étais chercher les ordonnances, je lui ai dit, moi ça fait 3 mois et j'en peux plus quoi, je suis fatiguée et tout. Et elle m'a conseillé de prendre au moins la pilule pendant 1 mois pour arrêter en fait les saignements. Mais quand je lis tous les effets indésirables, et tous les avis sur cette pilule, du coup, j'hésite à la prendre. Je sais pas. Après, je sais pas si vous, vous avez déjà lu cette pilule. C'est une pilule non remboursée. C'est une nouvelle pilule, apparemment. Mais pourtant, il y a déjà beaucoup d'avis dessus. Donc, je sais plus c'est quoi le nom. Alors, en plus, elle n'est pas remboursée. La Slimda, elle n'est pas remboursée. Là, il y a 3 plaquettes, donc 3 mois, 36,90 €. Donc 36,90 € pour 3 mois. Bon, ça fait 12,30 € le mois, hein, mais bon, c'est vrai que ça m'embête de l'avoir payé en plus si je la prends pas. Mais je vous dis, quand je vois les effets indésirables et les avis négatifs, en fait, c'est plus aussi tous les avis négatifs. Ça me fait un peu peur quoi, de la prendre. S'il y en a une d'entre vous qui a déjà pris cette pilule, dites-moi ce que vous conseillez. Attention les oreilles. Comme je sais que ça dérange certaines personnes, les bruits, donc attention aux oreilles. Voilà. Du coup, je sais pas. J'hésite vraiment à la prendre. Je voulais la commencer hier et au final, je l'ai pas pris. Je sais pas. J'ai attrapé des boutons partout. Hein. Là. Là, 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 là. C'est horrible. C'est horrible, horrible, horrible. C'est la vie. Je vais bientôt vous faire une... Je ne sais pas encore dans combien de temps, mais je vais vous faire une autre sorte de vidéo. Je vous garde la surprise pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Hein? T'as pas mal au ventre, chérie? Tu veux pas essayer de manger un petit peu? Thank you.
Tu veux pas essayer de manger un petit peu des choux-papis? Au moins, peut-être qu'on aura moins à le voir, chez lui. Bon, voilà. Je vais aller boire mon café. Et puis après, je vais voir ce que je fais. Déjà, tant que je bois le café, je vais faire peut-être un montage. Mathieu est déjà parti depuis 10h15. Ouais, ça fait 3 quarts d'heure à peu près qu'il est parti. Il a pris le bus, il est parti tout seul. Il est parti voir pour le coiffeur et voir pour déposer des CV apparemment. Écoutez, je croyais qu'il allait sortir avec quelqu'un, mais non, il est parti tout seul. Donc voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Re-coucou, il est 12h57. Mathieu est rentré, il a été du coup se faire couper les cheveux. Et il a été déposé un CV dans un magasin. Il recherche un vendeur. Homme sans expérience, donc bon, juste motivé, donc il a été postulé, il verra bien s'il a des nouvelles. Là je viens de le déposer chez son copain, ils s'en vont manger à McDo. Bon, c'est Mathieu, il est du genre à jamais sortir de sa chambre, rien du tout, et là en ce moment il fait que bouger. Bon, après ça lui fait du bien, hein. Voilà. Là, je viens de faire des nuggets à mail. J'étais en train de faire ma vaisselle aussi. J'ai même pas fini ma vaisselle. Et je viens de faire des nuggets à mail. Mais du coup, elle s'est installée un petit peu sur mon ordinateur. Ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas joué à l'ordinateur. Là, elle s'est mise sur mon ordinateur pour jouer à Minecraft. Elle voulait que je joue avec elle, mais j'ai dit j'ai pas le temps. Maman, faut qu'elle range un petit peu quand même. Et là, du coup, je lui ai fait des nuggets. Elle avait un petit peu moins mal au ventre. Donc, bon, si ça va mieux là. Début d'après-midi, on ira quand même au cirque. Voilà, donc normalement on y va à 4, comme je vous ai dit. Moi, Camille, Alexis et Meliana. L'entrée c'est 10 euros par personne, donc ça nous fait déjà 40 euros. Mathieu, bon bah là je sais même pas à quelle heure il rentre, donc je pense pas qu'il va venir avec nous. Et Christophe il a dit. Je ne vais pas faire cher déjà, donc il a dit, mais tu filmeras, tu montreras. Et en plus, de toute façon, il fait 1h sup, donc il va rentrer, il va être 16h, entre 16h et 16h10. Et entre 16h et 16h10, et le cirque, ça commence à 16h. Donc de toute façon, il ne sera pas rentré. Voilà. La Camille s'est installée pour manger du pain avec je sais pas d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle va mettre sur son pain. Je crois qu'elle a pris du jambon, je sais pas. Alexis, lui, je lui avais fait des crêpes par-ci tout à l'heure, il a mangé de bonheur. Comme il s'est levé de bonheur, du coup, il avait faim de bonheur. Je ne sais pas s'il va remanger quelque chose. Mais elle, du coup, elle va manger des nuggets, pas bah, McDo, et il reste moi, mais je ne sais pas ce que je vais manger. Je sais pas du tout ce que je vais manger. Ou je mange quand même avant d'aller au cirque si on y va. Mais je sais pas ce que je vais manger. Voilà. Ouais, j'ai pas fait grand chose en fait. Quand je vous ai pris tout à l'heure, bah, j'ai bu mon café. J'ai fait un montage. Le montage pour ce soir. Là, je l'ai exporté sur YouTube. Donc, ça sera bon. Et puis, j'ai commencé ma vaisselle. C'est tout. J'ai rien fait de spécial. Les lèvres sont sèches. Ouais, j'ai rien fait de spécial. Voilà, voilà. Je sais pas quelle heure on va partir. Camille, elle voulait qu'on y aille vers 15h30 pour être sûr d'avoir des places. On attendra une demi-heure, c'est pas grave.
pense que c'est ce qu'on va faire. On va y aller pour 15h30. Ouais. Voilà les amis. Donc je sais pas, je vais aller voir pour manger quand même. En fait, je sais pas si je me refais encore des crêpes genre bol mental. J'en ai mangé hier midi. Hier, j'ai pas beaucoup mangé. J'ai mangé des crêpes genre bol mental le midi, donc bon, ça me va. Et au soir, j'ai mangé deux petits pains au chocolat avec une tasse de lait. C'est tout. Aujourd'hui, on est le 10 avril, c'est l'anniversaire à ma filleule, ma première filleule. Donc ma première filleule, c'est ma soeur. Hein. Son anniversaire aujourd'hui, elle a 28 ans. Et oui, 28 ans, ça passe. Après, tout le monde vieillit, hein, c'est normal. Hier, j'ai passé aussi une commande sur Amazon. Donc j'ai commandé un lit à Mel, un lit de place. De toute façon, je vous montrerai. Et j'ai commandé d'autres trucs, mais je vous montrerai tout ça dès que je les reçois. J'ai commandé le cadeau à Camille pour son anniversaire, parce que ben, on est déjà le 10, c'est dans 15 jours. Bah, le cadeau, vous verrez le jour de l'anniversaire à Camille. Bien sûr. Je suis arrivée à la maison. Je suis arrivée à la maison, je vais aller voir pour manger. Puis de toute façon, on vous reprend certainement au cirque si on y va. Voilà. Sauf si on n'y va pas, qu'elle a mal au ventre. Bon, coucou. Ah, tu fais dans un vlog. On a été à Leclerc avec Camille. Alors, on a acheté. Allez, voilà. Je me disais, elle est petite. Je vais voir parce qu'on en a eu pour 31 euros. Centimes. Vas-y. Une bûche de chèvre à 3,45 €. Pour ma familiale, parce que ça revenait moins cher. Une pizza comme ça à 3,51 €. Pour Mel. Voilà, on va faire la série, ça va. Ça, c'est 2,69 €. Pour moi, avec chèvre miel. On a pris pour souper ensuite, ce soir. Ensuite, attendez que je vous... Là, il y a celui-là. Pour Mathieu. À 3,65 €. Au barbecue. Il y a celui-là, ouais. À pour 3 Mathieu. 3,46 €. Poulet. Ça, c'est 4,50 € le mien. Pour maman, parce que c'est elle a pris XXL et sauce au poivre. Ensuite, il y a ça à 2,35 €. On en a pris deux, c'est pour Alex et Papa. C'est des crevettes, des beignets de crevettes. Et ça, c'est 6,35 €. Et pour Alex et Papa, 12 nems au poulet. À 5,35 €. À 5,35 €. Ouais, 31 €, juste pour qu'on mange ce soir. Tous les 6. Ce soir. Pouce bang! Mais bon, comme on n'a toujours pas fait de course et qu'on est déjà mercredi soir. Le plus rapide du monde. Dans un sens, on a gratté un peu de course. Hier soir, on s'est débrouillé. Ce midi, on s'est débrouillé. Ah, et demain midi, on va débrouiller. 30 balles quand même. Ouais. Et du coup, on a gagné 2 jours pour 30 euros. Voilà. Ça va. Par contre, il va falloir vraiment en même. Hein. J'ai plus grand chose. Pour les chats. Au mémère. Non, le chipette, je m'en fous. Eux, il va falloir des croquettes, mais je veux dire, ça va. C'est eux. Ils ont la dalle, là, ça se voit. Et demain midi, on va débrouiller aussi. Du coup, on n'a pas été au cirque. Parce que Mel, elle a vomi. Du coup, j'ai préparé ma pizza. Deux fois. Ah non, ils vont peut-être faire le même avant. Elle est malade, je sais pas combien de temps ça dure. 2 minutes. Ouais, au pire, on met déjà ça à cuire pour Papa et Alex et mange. Du coup, ouais, comme elle a vomi deux fois, on a passé au cirque. On a été chez ma mère. Bon, on est plus resté avec ma soeur et mon père. Parce que ma mère elle est partie. Enfin, pas ma mère à moi, ma mère à elle. Ma mère à elle. Ma mère est partie. Et puis là, bah, on est revenu du coup parce que Camille elle a fait tomber des gâteaux dans la voiture. Je vais vous mettre le passage, je pense. Du coup, il fallait casser les toits parce qu'elle avait de la crème partout. Non, sans bon mal. Et tes baskets. Ouais, mais ça veut.
Et puis on est parti à l'éclair quand on a eu le temps. De quoi? Ouais, t'aimes bien ça, toi? C'est super bon, les nems au poulet. Mais pourquoi tu mangeais pas ça avec eux? Bon, parce que je veux que des nems, pas appétissant. Non. Pas que des nems, ça a goûté. Ouais, mais plus. Moi, eux, ils mangent avec des bénis. Après, les portons. Bon, c'est bon. Moi aussi. Je le voyais beaucoup plus gros, j'allais dire, ils se foutent de moi. Hein. Bon, elle prépare le plateau. Moi, je vais fumer une cigarette, donc je vais vous de l'eau pour fumer une cigarette. Et puis, bah, je vous reparlerai après. Demain. Parce que là, on va manger. Qu'est-ce qui est prévu? Je vais donner à manger aux filles. Et après, je vous reprends. De toute façon, je reviens dans un salon parce que Mel, elle est malade. Enlève le truc. Dis-nous ce qui est prévu au programme demain. De quoi? Ton programme de demain. Mon programme de demain? Faire du linge que j'ai pas fait aujourd'hui que je devais faire. Oui. Je dois ramener mon fils à un rendez-vous. Oui. Toi, tu dois faire tes colis Vinted. Oui. Faudrait laver la maison. Oui. Ben non, peux-tu? Ben non, je sais. Mais en fait, il y a plein de trucs à faire. Ensuite, j'ai même pas encore fini mes meubles. Vendredi? Je vous ai même pas montré. Je vous montrerai. Ton programme de vendredi? Le temps qu'on prépare ça? Mais pourquoi tu me demandes mes programmes? Je te demande. Mais qu'est-ce que j'en sais? Pour que les gens ils savent. Je sais jamais ce que je fais à l'avance. Hein. Vendredi, ben moi, il y a un rendez-vous, je crois encore. Ok, samedi. Samedi dimanche, je fais rien. Si. Qu'est-ce que je fais? Si, peut-être le cirque samedi ou dimanche. Ah bah, si je m'en vais, je vais pas pouvoir venir, tu vois. Là, je vais y être jeune. Mais déjà, je sais même pas c'est quelle heure samedi et dimanche. Parce que soit samedi, ça c'est quand il sera après. Mais si c'est dimanche, tu seras peut-être pas encore revenu. Bah non, si je le fais avec elle, je pense pas. Le truc qui sert à rien. J'allais vous dire, je raccroche. Mais je suis là en train de tout bien mettre parce et. Blamate. Comme ça, c'est bon. Bon, bon coucou. Camille, elle va préparer ses colis. J'ai trois colis à faire. Alors, je les. Comment trouver les vêtements sur Vinted. T'as pas pris de ciseaux? Tu me l'as demandé? Oui. Non. Il faut le scotch. C'est toujours moi qui vérifie les vêtements. Elle m'a pas demandé de les vérifier avant de faire les photos, mais bon. Je vérifie quand même, on ne sait jamais. Ta fille, elle m'a dit je mets la couette, ça fait 13 heures que je la mets. Bah, tu. Bon, ça c'est mon petit. Et là, le ciseau. Suivant. Moi, je suis hors de la cam, du coup. Je m'assois. Non, mais je vais te laisser la place. Moi, je vais pas rester là, c'est juste que je regarde. Quand tu vas pas rester là? Là, je vais pas rester là. Tu restes assis, debout? Tu restes dans la même pièce? Non, pour l'instant, je vais aller fumer une clope. D'accord. Depuis avant de sortir l'échelle, j'avais envie déjà de fumer. En fait, là, je sais pas c'est lequel que je dois mettre. Ah, bah, c'est écrit dessus. C'est comme le porte-salut. À l'intérieur et à l'extérieur. Mais normalement, t'en as pas dans le pouce à l'intérieur. Bah là, j'ai que. Celui-là, tu l'as dit qu'il manquait un bouton. Oui. J'ai marqué manque un bouton, voire photo. Celui-là, quand même. Il y a des taches? Bah, il y a des légères taches là. Hein. Mmh. Allez, mets au vert. Mais je fais comment? Je vais avoir un message. Bah, soit on essaye de le détacher, mais du coup, je ne le reverrai pas demain. J'en verrai genre après-demain. C'est léger. Mais là, déjà, c'est sûr. Il n'y a rien. Tu crois que ça va partir? Je sais pas. Faut essayer. On va essayer. On va regarder. On va essayer de faire ça. Les tâches, il faut me les demander avant. Je vois pas bien, mais t'inquiète, les tâches, je les vois. C'est les trois, donc s'il y en a un taché ou quoi, c'est les trois. Et une fermeture.
Mais regarde, en haut de la fermeture, on dirait que c'est cassé, mais c'est comme ça, ouais. Regarde. Ouais, c'est on dirait que c'est genre ouvert, craqué. Mais non, c'est comme ça, ouais. Là, ça commence à décoller. Oh, écoute, si ça commence à se découdre, je le ferai un point. Mais oui, c'est comme ça, sinon. €1. En dessous des bras. J'ai tout mis à 1 €. Si vous voulez mon vintage, je vous le mets. Je vais mettre encore des choses, normalement. Elle a mis à 1 € ses affaires juste pour se débarrasser. Donc, forcément, elle a vendu direct 5 vêtements. Les... À 1 €, moi, j'aurais même pas mis 1 €. J'aurais mis plus. Ouais, je veux pas me prendre la tête. J'ai pas envie de me prendre la tête. Si je fais la brocante dimanche, je vais peut-être mettre tout à 2 €, tu vois. 2 € jusqu'à genre 15 h, parce que tu repars à quelle heure sur l'heure d'une brocante? C'est bon, non? Tu sais pas. Tu vas partir à 16 h, 17 h, ça dépend. Bah genre quand il restera 1 h... C'est dimanche. Ouais. Pour finir à 17 h, c'est bon. Genre quand il restera 1 h ou 2 h, je pense que si mes affaires ne sont pas parties, je mets tout à 1 €. C'est quoi? Je vais mettre tout à 2 € la journée. Et si qu'il reste 1 ou 2 h, c'est pas parti, je mets tout à 1 €. Mais moi, j'aime pas, c'est que j'ai peur que les gens ils essayent de négocier. Tu dis non. Parce que si les gens ils essayent de négocier, je serais capable de lui donner. Non. Vas-y, repars avec. Je fais pitié. C'est simple, tu mets toi 2 €. S'il y en a un qui vient, qui est peu importe. Hein. Femme, homme, n'importe qui, on s'en fout. Si tu dis tu me laisses à 1 €, non. Non. Je vais dire à Roland. Roland, elle s'en fout. Le prix est fixe, point. Il n'y a rien à dire. Moi, je regarde les amis. Moi. Elle va emballer. Là, du coup, il faudra détacher ça. Essayer. C'est pas la même personne, ça, c'est beau. Non. Ça, c'est beau. Et dans lequel, il y a déjà 2 colis sûrs qui vont être prêts. Et l'autre, J'aime pas faire attendre les gens. Non plus, mais... Qu'elle a attendu une journée de plus, c'est qu'on essaye de le détacher. Ouais. Ça, c'est à mettre à l'intérieur. J'espère que vous ne voyez pas les adresses. En fait, moi, je pensais que ça, rien n'allait partir parce que j'ai dit à maman que... Ils ont des frais à payer. Donc, les frais, ils sont plus chers que les vêtements. Mais elle m'a dit... elle m'a dit que si, parce que même s'ils ont les frais de livraison, ils en ont pour au pire 2 € le vêtement. Donc, ça vaut le coup. 2 ou 3 € le vêtement. Et c'est des vêtements quasiment neufs. Là, c'est une chemise Primark. Je l'ai mis 2-3 fois. Peut-être. Donc, de base, moi, je voulais les donner. Maman, elle m'a dit, essaye quand même de les vendre. Si t'arrives pas, on les donne. Ok. J'étais en train de couper la clope. Je m'en doutais. Donc, elle m'a dit, essaye de les vendre. Si tu arrives pas, tu les donneras à quelqu'un. La preuve. Ça se voit. Mais bon, moi, j'aime pas non. Ça part où ça? C'est écrit. Dans le 14. C'est bien placé. Tout bien trouvé. On va ça. Sur mon... Bouger au transport. Okay. Ça, c'est à mettre à l'intérieur. Moi, ça serait que moi, je mettrais des petits bonbons, des petits cadeaux. Si je fais ça à tout le monde, je vais pas finir.
Aïe. 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 Du coup, du moins, je vais peut-être faire une brocante avec la mère à Dada, Dada et puis sa soeur. Ouais, mais bon, elle m'a dit tu peux prendre des vêtements à toi si tu veux pour essayer de les vendre. Je vais voir. Est-ce que j'en mets pas le sketch aux ouvertures? On essaye de négocier avec moi. Je serais capable de me faire un coup. Ouais. J'aime pas moi que si les gens négocient avec moi, j'aime pas. Je serais capable de leur dire allez-y, si repartez avec, c'est pas grave. Gardez-le, je vous l'offre. Faire ça tout le monde, sinon ça sert à rien de les vendre. Et je voulais prendre les porte-clés qu'on fait en résine à maman pour essayer de les vendre là-bas. J'ai dit pourquoi pas, et en vrai, on m'a dit elle va voir si on le fait, si je les prends ou pas. On n'a pas énormément de place aussi là-bas. On a 3 mètres, je crois. Mais bon, 3 mètres, si je mets des vêtements, elle, elle va mettre des vêtements. Donc, ça, les 3 mètres vont vite, vite être pris. Il fait beau aussi. Parce que s'il pleut. Je sais pas si je peux le déposer où celui-là, l'unité. Il y a l'adresse, c'est comme ça. Et voilà, il est dehors. Ah oui, mais là, j'ai mis de la vie, ça passera, je pense. Parce qu'en fait, j'ai un colis, je dois mettre les 3 choses là. Mais déjà, je pense que ça passera. Hein. Est-ce que c'est vraiment une tête, là ? Pardon. Courcelles les lances. Je pense pas que ça passera. Mon œil, il brûle. Mon œil, il brûle. Faut que je...
Ah, ça me brûle. Je suis vraiment... Non. Je pense pas. Je ne sais vraiment pas que ça va passer. Hein. Essayez, mais bon. Je suis vraiment pas sûre. Non, je pense pas du tout. Non. Deux, ça passe. Et trois. Et maman. La chaussure, ce sera largement mieux. Hop. On va enlever le prix. Hein. Hop. Ensuite, on va faire comme ça. En fait, je trouve ça plus dur à... Je trouve que c'est plus chiant que le scotch se décolle en une seule fois qu'en faisant plein de petits bouts. Et voilà! Voilà. Voilà. Ça y est? Il brûle. Pourquoi t'as volé une enveloppe sur le carton? Non, ça ne brûle. Du coup, ça, c'est au même endroit normalement. Ça, du coup, ils le font où, on a vu? À la poste. Au cas où. Ouais, au cas où, ouais. Soit à la poste, soit normalement. Marquette, sinon, on avait été où la dernière fois? Je m'en vais. On va essayer Marquette, les deux, non? Je sais même plus. On va essayer. Attends, je vais regarder. Ouais, c'est quoi, c'est relais? Relais colis. C'est écrit, hein. Où tu dois ramener, mais c'est bizarre qu'ils mettent que Courcelles et qu'ils mettent pas chez nous. Ouais, non, c'est bizarre. Parce que tu vois, la poste, donc la poste aussi chez nous. Je vois pas pourquoi. Ouais, les colis. Bon. Parce que là, 16 minutes. Re coucou. Il est minuit 39. J'avais oublié de vous finir le vlog. Là, je m'installe. J'étais en train de regarder. Enfin, j'ai fait mon montage pour demain. Ça y est, il est programmé. Je suis tranquille. Et c'est en train de regarder une vidéo. Du coup, j'espère que la journée avec nous vous aura plu. Comme je vous ai dit, j'ai rattrapé un bouton. C'est pas possible. C'est de pire en pire, je vous jure. J'attrape des boutons partout. Comme je vous ai dit, ma princesse, elle est malade. Donc, demain, elle va rester à la maison, hein, pas d'école. On n'a pas pu aller au cirque, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle m'avait demandé d'éteindre la petite lumière à 22h30. J'ai dit, maman, elle va l'éteindre. J'étais en train de faire mon montage. Et je me suis retournée à 22h45. Je l'ai regardée, elle dormait. Voilà. Donc, j'espère qu'elle ira mieux. Donc, elle ira. Donc, elle dorme bien. Ça lui fera du bien si elle dort bien. Puis qu'elle... Je suis plus malade demain, quoi. Mais bon, demain je la garde à la maison. Elle reste au chaud. Je pense qu'elle a dû prendre un coup de froid en allant, comme je vous ai dit, à la randonnée, au sport et tout, hein, parce que sous la pluie, le vent, etc.
Donc demain, elle reste au chaud et on verra si ça va mieux. J'espère. Bon, je vais regarder, je vais mettre un petit truc à la télé puis je vais essayer de dormir. Oh, j'en ai marre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bisous, bisous.